Voici Pierre Hubert, marchand d'art. Comme c'est un homme moderne, avant de vendre à New York, il fait son marché à Pékin. Ça va bien, merci. Mais j'espère. Comment tu vas? Ça va. Jennifer, tu manges de tout? Oh, ça dépend. Non. Non? Qu'est-ce que tu manges pas? Écoute, moi j'aime, je suis un peu comme des trucs, si c'est des tripes, des trucs comme ça, je sais pas très moi. Et saucisse à rôtir non plus? Pardon? Saucisse à rôtir? Saucisse à rôtir, c'est quoi? Non, parce que je voulais faire un risotto à la saucisse à rôtir. C'est quoi une saucisse à rôtir? Ah, c'est une saucisse à rôtir. Mais puis elle fait un risotto qui c'est une recette de Cipriani. Bien seulement, bien. Je suis sûre que c'est délicieux. Voilà. Je suis sûre que c'est délicieux. Non, non, ça sent bon. En fait, je fais un risotto à la saucisse à rôtir qui est de Vichy. C'est délicieux. Mais t'aimes pas ça? Si. Ah non, ça doit être délicieux. Ça doit... Non, j'adore. J'ai dit, mon Dieu. Non, j'adore. Non. Ça doit être délicieux. Pourquoi il n'y a pas une fourchette? Je vais me donner une fourchette. S'il te plaît. Toujours je dis qu'il faut ça. Et toujours il y a pas. Mon risotto, il va être trop cuit. Il m'a pas dit ça. Oui, mais ça, tu peux te dire d'abord, tu as dit ça demain. Tu peux te dire ça demain. Le chien. Nous avons parlé de comment appeler la collection Pierre Hubert ou la sélection des œuvres Pierre Hubert qui va passer en vente chez Christie's au mois de février, le 26 février. Et on s'était dit que ce serait très sympa d'utiliser une phrase très américaine qui s'appelle « beyond », qui se dit « beyond ». Et « beyond », ça veut dire « encore plus loin ». Beyond, qu'est-ce que ça veut dire, Robert? Beyond. Beyond. Moi, je connais Beyond. Beyond. Exactement. À New York, on te dit, tu as été au nouveau restaurant de, je ne sais pas qui, ils disent, ah, it was beyond. Beyond, ça veut dire le mieux du mieux, ça veut dire encore plus loin que vous, ce que vous avez imaginé, ça veut dire... Occupe-toi pas du chien de minute, ça marche tout seul. Ça veut dire vraiment, c'est tellement beau que tu ne peux pas le décrire. C'est en dehors de toute description. Mm-hmm. Alors, beyond, on avait trouvé que c'était un adjectif qui convenait très très bien à ta collection. Une chose qu'on ne sait pas, si on doit placer les Mount Memorial sur les socles que chaque pièce. Écoute, Richard Serra, pour moi, c'est un des grands artistes du XXe siècle qui a su faire quelque chose d'absolu. Et les artistes du XXe siècle, normalement, c'est un peu plus ambigu. Mais Richard, il trouve la force, il trouve le noir, il trouve le néon. Et il a, et bien sûr, il a, et c'est pas le goût de tout le monde, parce que c'est très dur. Mais je trouve que c'est extrêmement fort. C'est comme un trou dans le mur. Ouais. Et pourtant, c'est une toile, elle est agrafée. J'adore le fait qu'elle n'est pas encadrée, qu'elle se fixe justement sur le mur, comme une toile industrielle. Tu parlais de l'industrie, il y a quelque chose de très basique en ça, mais j'espère que Richard Serra me pardonnera, mais c'est aussi très très élégant. Il y a aussi un côté très très élégant dans tout ça.
Alors tu comprends bien, mon cher Robert, que peut-être tu ne viendras pas avec moi dans ce voyage en Asie. Non, je veux venir. Et pourquoi tu viendrais ? Pour te rendre la vie plus agréable, un voyage plus confortable. Comme ça, tu vas faire ta gym et tout ça. Tu ne vas pas t'occuper de tous ces détails. Mais la gym, quand même, le problème de la gym, c'est quand même, c'est moi qui vais pédaler ou courir. Ah, et tu ne vas pas pédaler et courir à ma place. Ah, mais c'est que non, mais peut-être on pourrait faire des courses dans les parcs. Ah, tout à coup, avec, tu commencerais à courir. Exactement, comme ça, je commencerai à courir. Ah. Comme ça, tu fais la course dans les parcs, et ça, avec l'air naturel, c'est très beau. Mais toi, tu comprends bien que quand tu viens avec moi pour faire un voyage comme ça, oui. C'est que je vais faire que la moitié des choses que je devais faire. Pourquoi ? Parce que tu vas m'emmener à faire d'autres choses qui ne sont peut-être pas les choses que j'ai besoin de faire. Non, parce que tu as un agenda qu'on va suivre, tu as un schedule. Toi, tu vas tenir mon agenda? Ah, mais absolument. Ah oui? À la place de faire ça, on va passer au prochain rendez-vous. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut dire à un artiste tout à coup, écoutez, on est pressé, on s'en va de votre atelier? Moi, je vois simplement une chose, c'est que le dernier voyage qu'on vient de faire, on a fait très peu de choses finalement aux Indes, parce que chaque fois que je vais acheter un tableau d'un artiste, tu m'encourages à ne pas l'acheter. Mais tu étais content de ne pas le faire. Après, j'ai regretté. Non, pas du tout. Ces gens, on dirait qu'ils suivent encore bien. Mais oui, ils n'ont pas de choix parce qu'ils ne peuvent pas passer. Le type, il est en face de moi, il a une sacrée tronche. Hein. J'espère qu'il ne va pas me mordre. N'importe quoi. N'importe quoi. Écoute, ça mérite une photo, ça, encore une fois. Celui-là, il faut vraiment le prendre au vif du sujet. Allez, souris. Ça, c'est vraiment insensé. Pas possible d'avoir des fleurs artificielles en pleine campagne. Si je faisais pas une photo de ça, c'est que vraiment, c'est incroyable. Salut. Nice flower. T'as des belles fleurs. Des fleurs artificielles. Au milieu de la campagne, la plus grande campagne imaginable. Ils sont sympas. C'est incroyable. Hello, Guani, how are you? How are you? Nice to see you. Hello. And Davidoff? Davidoff. Davidoff. My friend. Davidoff. Davidoff is going to be here. I like this very much because it's no art. No art. Finally, the truth. Finalement, la vérité. Pas d'art. This is one piece or two piece? C'est une pièce. Look here, what? So, Jeep. Nestle. Oh. This. C'est la meilleure pièce parce que c'est marqué noir. Donc,
Qu'est-ce qu'il va faire avec... Est-ce qu'il a réservé pour moi celle-là? Qui t'a liao de là, ou est-ce qu'il y a de là? Oh, moi, je suis. En fait, c'est simplement, il vient de terminer. Voilà. Ah! Donc, il n'y a pas. Donc, Noart, c'est un nouveau travail. Pour de... pour. Bon, il faudra qu'on voit comment on peut faire. Moi, je serais intéressé à ça, à ça, à ça. Davidoff. Nestlé. And ça fait 1 2 3 4 5 5 mais now I have to talk money. 他说什么？他说那个他觉得有几个他想，不知道上次来是怎么样的情况，就是这一张David Off，然后这个他也特别感兴趣，还有另外那边两张。我在公司不谈价格。他可以发email，我在谈，我公司不谈价格。 En fait, il ne préfère pas de parler le prix dans son atelier, il préfère par mail. Par email. Par email. Mmh. Ok. Bon, ben, je suis très content qu'il me réserve ses pièces et qu'il me dise une fois, si on peut une fois conclure quelque chose, ça m'intéresserait. 他说那个反正现在也知道他对哪些作品有感到有兴趣，然后如果可以尽快的通过 email 来联系。对，他通过 email 反正他有图片就发过来。他说他的那个问题是他不知道这个图片怎么放到电脑里面去，但是如果就知道就可以了嘛。他因为不会玩这个，所以他现在那个他还买要去买那个储存卡了。是吗？他花都不会花吗？ 不会发，他不会。广义就这样吧，你发给他吧。你发给他。啊，那行，我知道了。广义。广义。Il sait bien en fait lesquelles les œuvres il va t'envoyer par mail les photos. Il sait. Il sait, il va t'envoyer et puis voilà. Vous allez avoir négociation. Voilà. D'accord. Tu parles de nom. De toute façon, maintenant, il n'y a que non. Il n'y a pas hâte. Je vous dis. Ça réussit? Attends. Oui, c'est bien réussi. Bien un peu plus près. C'est bien réussi, mais ça montre que non. Et, on va aller là. Vous l'avez bien caché hâte. C'est vous représentez hâte. Maintenant, on montre que hâte. Voilà. Qu'il le taxe un peu bas. Parce que je puisse vraiment la créer. On a acheté tous les tableaux. Félicitations. Comment s'appelle la Guane? Guan Yi. Tout ce qui était dans son atelier. Voilà. On lui a vidé son atelier. On a bien commencé la journée, non? Nous, on a payé en moyenne 300 000 dollars le tableau. C'est ce qu'on a payé, en moyenne. C'est des tableaux, comme Guan Yi a dit, ça vaudra 2 millions de dollars tableau d'ici quelques années. Donc, c'est des actions béton. Tu peux me rappeler son nom? Fang Lijun. Fang Lijun. Fang Lijun. Fang Lijun.
Fang Li Jun. J'ai oublié les noms. Fang Li Jun. Il est là? Oui, oui. I like it. 我下午来安排人家去买花插在上面拍一张照片试试。This, 然后这样。It's my piece. 哈哈。Hey, this is my piece. 他的那个，他的。Okay. Okay. C'est ma pièce. Bravo, super. Il a dit qu'en fait. Pas de noir et des fleurs, pas que ça a l'air d'être un cimetière. Mais il fait, c'est son œuvre. Bien sûr. Mais on va discuter ensemble. Demande-lui s'il se rappelle le prix de cette pièce. Le prix public, public price. Dis-lui, c'est pour avoir une idée, parce que moi, personnellement, une fois que c'est fait, j'oublie. Hein. Non, mais je ne me promène pas avec le contrat et puis le. C'est juste pour avoir une idée, ça m'intéresse. Cambodge, on est arrivé avec l'hélicoptère dans un endroit où il y avait il fallait faire 42 kilomètres de marche pour qu'ils atteignent le village. Et quand on est une demi-heure après, on était entouré de gens. Comme ces gens, ils nous regardaient la même chose que ça. Ces gens-là, ils se disent, et si je les amène dans l'atelier, hein? Ça va? Pion-moudon! Tu vois? Ok, d'accord. Hein, ils sont formidables, c'est incroyable. Dis-lui que si on est en retard, c'est parce que j'ai une déformation politique. C'est que j'aime parler aux gens. Donc j'ai dû aller parler aux paysans du coin. Alors là, je suis enchanté. C'est impossible de faire ça chez nous. C'est incroyable. C'est très bien. Il y en a partout. On va prendre les deux qui se cachent là. Hein? Très bien. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est choisir le cinquième tableau. Il a dit que le premier, c'est que tu as peut-être fixé le temps. Only one for you. You stop now. Faites calme un petit peu. On a l'occasion de faire quelque chose ensemble. De formidable. Donc il ne faut pas qu'elle soit radine avec moi. Now it's the opportunity we make. On fait un transport, on les fait tous en même temps. C'est mieux d'avoir. Calme. De toute façon, elle en fera d'autres. You understand? And we put together. Ça, c'est très bien parce qu'il est tout à fait en opposé avec celui-là. En fait, elle a dit qu'elle veut garder une pièce pour elle-même. Bah, qu'elle garde la prochaine. 我说，她说你下一次再留给你自己，但是我说你因为想自己留一个，再说这个。Allez. 没有。Allez. Hop, hop, hop.Voilà. Oh, you're so handsome. Oh, you're so handsome. Thank you very much. So can they put there and make a photo too? Oh, yeah. Il est magnifique. Il est magnifique parce qu'il est vraiment différent des autres. Voilà. Mais elle a dit que c'est horrible. Chaque fois, tu viens, tu prends des meilleures pièces de son travail. Donc les deux, elle aime autant. Elle voudrait bien justement laisser une pour elle. Maintenant, elle a dit oui. Bah, c'est, ça a l'air. Ça a l'air. Ça a pas l'air. Elle a dit oui et dis-lui une chose. Je viens pas pour acheter les mauvais tableaux. If you can open my how to say my email. It's many gallery ask me. Oui, on sait qu'elle a beaucoup de demandes de galeries. Mais dis-lui que dans le monde, il y a très peu de si bonnes galeries que la mienne. Dis-lui. Last time I forgot one. We was in. Yeah, I already talked to them. This is another person, but I forgot. I gave it to you. Oh my God! Tomorrow they are coming. Finish. Oh my God. Finish. Now it's finished. Now it's finished. We did the deal. Okay. Now it's done. It's finished. I'm so pleased. He said, "Now he's not." Perfect. Merci. Merci, sir. Thank you. Fais une photo où elle serre la main comme ça, elle est sûre de
Odile et Odile. On fait un tas de trucs bien et bien. Dis-lui, ça c'est la preuve. Ça c'est la preuve du deal. Tu vois? Oui. Très bien. Je vais te montrer. Je vais te montrer. I'm very happy. So we bought these two paintings and we have now six paintings. Is this okay? This is the deal. Ta la pao bien. I talk to you. I have all your number, okay? Okay. I have all your number. Mm-hmm. I keep it here, okay? Fantastique. Merci beaucoup. Je suis enchanté. Je sors par la porte.昨天跟他说了，然后但是他说呢，我们不是本来说好是那个5万的吗？他说，而且他不停的在催你给他那个invoice，那么过了几个月以后，变成那个价格上去了。他说那个，那他这个事情不能怪他。他说，他一开始就开始问你要那个发票的，不能给他那么多。 没事，我没事，他可能搞不懂，我慢慢跟他说吧。再见。那个文佳，你跟他说啊。 Elle propose de, au lieu de prendre 6, est-ce que tu pourras prendre 4? Non, je suis pas d'accord dans ce cas, je veux... Non, non question. Donc il faut simplement lui dire j'en prends 4 et puis je les achète pour ma collection et puis je fais pas l'expo. Puis c'est tout, mais je vais pas faire tout ce travail. 50 000 $, le transport, la caisse, la douane, l'amener chez nous, les clous pour les mettre au mur. C'est aberrant parce que elle. Tihai, anyway, you have to say to this dear artist that we checked the hand for the four painting. Yeah. We have checked the hand, so a deal, it's a deal. We have checked the hand yesterday. It's not three months ago. The hand, this we checked here yesterday. She compromised with me. Mais le mieux, c'est que tu contactes directement Christie's. Parce que là, moi, je suis en pleine réunion encore et Christie's New York, ouais. Mais tu me donnes un petit coup de fil d'ici. La vente, ma vente, ça sera la vente du siècle. Voilà. Comme ça, tu seras. Comme ça, tu es déjà au courant. Mais ce sera la vente la plus importante et révolutionnaire et exceptionnelle qu'on peut faire pendant l'Armory Show. Ce sera l'evening sale et que tout le monde va en parler. Donc si tu as tout le journal à disposition, tu peux en parler. Maintenant, autrement, même si tu as 5 lignes, ben c'est toi qui en parlera le moins. Ce n'est que 5% de la collection, mais c'est la vente la plus importante. Entre 20 et 30 millions. Quand même. Tu sais, Isabelle, je t'adore. Laisse-moi jusqu'à mardi pour te faire un interview. Tu m'appelles mardi, ok? Je t'embrasse, ciao, 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 ciao. Alors, il n'y a pas au monde aujourd'hui un autre endroit où il y a autant d'argent qu'à Hong Kong. Ça n'existe pas, même aux États-Unis. Et il n'y a pas un autre endroit au monde où il y a une clientèle qui est prête à dépenser autant d'argent qu'à Hong Kong. Le marché est absolument propice à Hong Kong pour vendre des œuvres pour des millions de dollars
Donc c'est ce potentiel qu'on doit toucher le plus vite possible. Nous attaquons un marché où il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, c'est l'argent. Bonjour. Comment ça va? Il y a des bestiaires. Non, c'est pas ça. Voilà, tout de suite, on se déguise en, en balaisant. Attends, va donner des croquettes à Francie. Robert. Oui. On va faire le sauna. Oui. Ouh, qui attend quoi? Qui attend quoi? Oui, là, ça c'est croquettes. Ça c'est pour Franz. Il a des croquettes, il a des croquettes. Bien, tu joues. D'attendre que tu t'es dit, allez, ok? Je ne touche pas la nourriture. Je peux lui dire? Non, vas-y. Allez, laisse-moi lui dire. Non, s'il te plaît, passe encore. Il n'ose pas. Oh, ça c'est torturer le chien. Non, parce que je l'ai dans son lot en même temps. Tu peux l'aider. Hop. Oh, Franz, c'est bon. C'est bon, Franz. Oh, comme c'est bon. Hein? Il est content. Il est content d'avoir ses croquettes. Voilà, tchou-tchou. Voilà. Tu viens maintenant. Oui. Attends, je vais descendre les... On se respecte en faisant ça. Ça fait partie de ce qui nous permet de devenir plus intelligent. C'est tellement... Oui, c'est vrai. Toi, tu es plus intelligent. Tu écris ton propre livre. Tu m'as donné plus intelligent parce qu'il te donnait ça, mais c'est pas mal. Non, ça. Mais ça te purifie, ça te nettoie, même la tête. Ça te nettoie la tête. Ça te met les choses en place, tu vois, tac. Tu remplis toutes les cases. Voilà. Et ça te fait re-aimer l'art contemporain. Oh my God. C'est formidable. Ouh, ah, viens prendre mon sac. Avant que ce soit mignon. Mais les dents, elle est lourde. Bah oui, parce que tu devais te prendre le vin. Est-ce que tu peux te dégager là, parce que là, ça va pas. Non, mais tu me fais même faire des choses que je n'ai pas fait. C'est bon. Tu me fais un Big Mac dans cette cuisine et c'est hallucinant. Est-ce que tu fais les œufs aussi? Non, les œufs, c'est ta spécialité. Donc chacun son truc. Hein. Tu es le roi des œufs et moi, je suis le roi des
petite saucisse. Non, mais petite saucisse, tu ne vas pas aller à la Sorbonne pour prendre les saucisses, hein. Oh, merde, t'es là. Je suis jaloux, je dors une lumière. Tu vas donner le soleil? Je vais dormir une demi-heure. Ah, oh, quelle merveille! Note que j'aurais pu dormir dehors, mais. Allez, si, tu chantes. Non, mais je préfère dormir là. Il n'y a pas de sport? Non, mais là, je commence à voir ce film. Ok. Elle va sortir sur la photo. C'est quand même la mascotte de la vente. Il faut qu'il figure dans les photos. Le code name du catalogue, avec votre permission et la permission de Franz, ça sera justement Franzi. Franzi. Partout dans le monde, les gens commandent le catalogue de Christie's, ils demanderont code name Franzi. Alors ça sera marqué, ça sera marqué à l'intérieur du catalogue, ça sera sur les bons de commande du catalogue et tout. Ah ben, il faut le mettre partout. Franz, tu veux photo ou promener? C'est drôle, on dirait que lui, il sait qu'il est en train de se faire photographier. Hein. Il a déjà été un mannequin? Non. Non, c'est la première fois qu'on fait ça. Je veux commencer à exploiter cette idée. Écoute, il va avoir une audience internationale, globale. Mais évidemment, je serais obligé de l'amener à New York en plus. C'est vrai? Avec des lunettes pour qu'il soit incognito. Fancy. Promenade? Promenade? Croquette? Croquette? Ouh, croquette! Fais la photo, fais la photo! Croquette! Fais la photo, le mari! Fais la photo, les oreilles de France! Ah oui, j'ai eu des appels. T'as bonne mine, hein? Des appels au secours. On voit qu'il y en a qui ont bonne mine. Moi, je suis fatigué, hein. Moi. Tu es quelqu'un de formidable. Tu fais un travail qui est extrêmement intéressant. Toi aussi. Et que moi, je suis passionné par ça. Tu es l'artiste du futur de la mondialisation. Cette opération Christie's, il y a quelque chose de génial dedans. Et qu'aujourd'hui, le monde a besoin de génie. Il y a quelque chose de génial là-dedans. C'est pas de ma faute, c'est les artistes que j'ai achetés qui sont coupables de leur génie. Non mais toi, tu as agi quand même en chef d'orchestre dans cette histoire. Je suis le chef d'orchestre, mais si j'avais pas les musiciens, je pourrais pas... Il y a une relation. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut à un moment donné pour que... Pour le succès, une complicité. Tu sais, chez nous, il y a une phrase magnifique, un vieux proverbe qui dit... À la tienne. Il y a un vieux proverbe qui dit « Une main toute seule, elle ne fait pas de bruit. Il faut deux mains pour faire du bruit. » N'importe quel projet, tu as besoin de travailler en complicité. Mais, effectivement, tu as toujours, à un moment donné... Tout à l'heure, tu parlais du marché, la façon dont se porte le marché actuellement. Les gens qui vont dire, tiens, ils décident de mettre en vente à ce moment, pourquoi? Parce que ce serait bien bon de mettre les choses en vente quand le marché se casse la gueule. Je ne vais pas vendre quand le marché se casse la gueule. Évidemment. Je mets en vente quand tout le monde me trouve extraordinaire. Je sais que c'est pas l'argent qui te fait avancer. Non, mais Warhol, j'ai un Warhol qui vaut le prix de tout ce qu'on va vendre. C'est pas excitant. Prends Warhol, je le mets en vente, je fais 20 millions de dollars, quel est l'intérêt? C'est la première fois que tu mets en vente ou pas? C'est la première fois que je fais ça. Moi, j'avais besoin de ça pour mon ego.
J'avais besoin d'être là. J'avais besoin d'être. Tu viens d'économiser une séance d'analyse, Pierre. J'avais besoin. Tu viens de faire des économies. J'avais besoin d'être le roi de New York pendant une semaine. Ça, je peux te dire qu'il y a des gens, ils vont faire 20 ans de psychanalyse, ils n'arriveront jamais à le dire. Et c'est des gens pétris de névrose. Ouais, mais je préfère être le roi de New York que le comte de New York. Voilà. Non, mais tu es bien dans ta peau, c'est beau à voir. J'aime mieux être le roi de New York que le comte de New York. Au moins, tu mets la barre quelque part. Il faut être ambitieux dans la vie. Ça, ça c'est toi, ça. Ouais. Et ça, c'est New York. Extraordinaire. T'as compris? Ouais. Ça, c'est toi, ça. Ouais. Paf, tu vises le trou, là. Et t'as tout New York autour. C'est génial, ouais. Bon, on va continuer. On va par là. Qu'est-ce que c'est? In memory of a piece of paper. En fait, c'est la mémoire sur une feuille de papier. En fait, c'était une feuille de papier qu'il a complètement détruit. Et en fait, il ne reste plus que le souvenir de la feuille de papier. Et ça devient une sculpture. Et c'est extraordinaire aujourd'hui de faire une œuvre aussi sensuelle, sentimentale et belle, simplement avec une feuille de papier. Et Tom Friedman, c'est tout dans la finesse, tout dans la subtilité. Et en fait, ça, c'est une œuvre qui est dans toute sa splendeur. Et ça deviendra un jour une pièce tout à fait classique. À combien elle sera mise aux enchères ce soir? Cette œuvre sera mise entre 60 et 80 000 dollars. Ça me fait plaisir également. Vous êtes content? Oui, très. Oui, on sera encore plus ce soir, mais ça va bien se passer. Oui. Oui. Vous êtes un peu angoissé. Oui, mais bon, c'est normal, mais ça va. En tout cas, je suis ravi que vous êtes venu. Je ne suis pas venu au dîner la semaine dernière. Je suis arrivé hier et je suis à la vente tout à l'heure. Très content de l'avoir fait avec vous. Ça fait plaisir. C'est très gentil. François Pinault dit qu'il ne donne jamais d'interview, mais il me fera pour me faire plaisir à la télévision suisse. Ah, ok. Que ce soit désagréable de savoir que ta position est critiquée, mais je pense que c'est le rôle d'un journaliste de faire part des points de vue positifs, ce que j'ai fait très souvent, et des points de vue négatifs, que je n'ai fait qu'une fois, Pierre. Alors, je vais te dire, je n'ai rien pris. Alors, je croyais qu'on allait faire un débat, et là, je sens qu'on passe au réquisitoire. Je prends quand même... Non, ce n'est pas un réquisitoire. Si, je prends l'article... Mais moi, je assumer un réquisitoire. Étant donné qu'on a décidé qu'il n'y aurait pas de censure dans cette discussion, le domaine de la discussion, c'est quand même l'article que tu as écrit, qui dit « La vente Pierre Bert, rien ne va plus ». Et dans cet article, je me permets de rappeler qu'il y a certaines choses qui m'ont froissé. Ah non, mais et ça, la je chose, le conçois tout à fait. Et je vais te dire je la chose, la première, fait. Et maintenant je vais sortir de l'article simplement pour t'expliquer ce que j'ai fait moi. Moi je veux bien passer à la moulinette. Non, ce que j'ai fait je moi. Je veux bien passer à la moulinette. Ce que j'ai fait moi pour Kaderatia, puisque tu parles de Kaderatia, que tu mets ici comme si on était des négriers
en train de l'avoir utilisé pour faire cette pièce. Ce qui me dérange, c'est qu'on est toujours que sur le côté mercantile de l'argent du méchant collectionneur, du méchant riche qui achète des œuvres et qui gagne beaucoup d'argent avec. C'est ça qui me dérange. Non, tu ne peux pas dire ça. On est en pleine période spéculative sur l'art contemporain. Tu sais très bien, parce que tu le déplores et on en a souvent parlé. Moi, mon rôle de journaliste, si je vois 50 personnes qui sont choquées par cette vente, etc., c'est un élément important. C'est du populisme, ça. Non. Pourquoi c'est du populisme, je m'excuse. Tu peux bien imaginer aujourd'hui, dans ce monde de l'art, qui est un monde assez particulier, que tous ceux qui ne sont pas capables de faire une vente comme celle-ci, le nombre de jalousies que cela suscite, vous qui parlez toute la journée dans vos articles que d'argent, parce que l'article qui est en dessus du mien, il parle que d'argent. Tes articles ne parlent que d'argent. Non, mais attends, maintenant tu me laisses aussi. Mais bien sûr que je parle d'argent. Tu dis qu'on a été acheter les œuvres en solde. C'est ce que tu dis dans ton article. J'ai dit que certains galeristes disaient avoir vendu à prix coûtant. Tu ne peux. Ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'il raconte tous, mais c'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai est ce que tu n'as pas le droit d'écrire si tu n'as pas la preuve de ça. C'est ce que je veux te dire, tu ne peux pas écrire une chose comme ça si tu n'as pas la preuve de ça. Ça, c'est ce que j'appelle une éthique. Pierre, il a toujours dit qu'il aimait beaucoup les femmes avec des couilles. Yeah, mais pour dire que... Non, mais pas toutes. Pas toutes. Aujourd'hui, pour être collectionneur dans ce nouveau marché, il faut avoir une condition physique extraordinaire, un mental exceptionnel et tout ça. Alors, et puis le sens de la finance. Aujourd'hui, moi, je te dis franchement, heureusement qu'on a fait cette vente chez Christie's, parce que c'était 3 semaines de cauchemar entre les artistes, entre la maison de vente, etc. Ça devient un casse-tête chinois pour nos héritiers. Et moi, mes héritiers, c'est Robert. Robert, il s'intéresse que à moi. Il s'en fout du reste. Il a dit, moi, l'art, tu fais ce que tu veux avec. Je préfère aller chez Bloomendale, m'acheter un bon pullover, etc. Ça, il préfère ça, il a d'ailleurs bientôt bien raison. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, alors bien sûr, on aurait pu en parler avant. Ma famille, tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais Pierre, un jour dans ta vie, tu dois prendre la décision de régler tes affaires. Et moi, j'ai pris la décision de régler mes affaires avant que je me casse la pipe demain, ce qui peut arriver n'importe quoi, et laisser le souci aux autres. Tu viens à la vente demain? Je ne voulais pas venir. Moi, je ne voulais pas venir. C'est un spécial, mais Jennifer va essayer d'avoir la vente Skybox. Oui. Je n'étais pas très pour venir, mais lui, il insiste beaucoup. Ah, mais c'est une chose qu'on doit vivre une fois dans sa vie. Renaud, il est venu à Paris quand je lui ai fait sa vente. Ah, mais comment ça a été bien, Paris? Formidable. On a fait le très très bon. On a tout vendu à des prix très très forts, mais il avait joué le jeu avec des prix assez raisonnable, et il était là, mais on l'avait mis dans une pièce à part, donc il voyait à la télé sa vente, et il écoutait, il entendait. Voilà. Je n'étais pas allé quand j'avais vendu le Catalan, le pape. Bon, là, ça fait partie de l'œuvre un peu que tu sois là, quoi, finalement. Ouais. C'est toi qui fais ton acte. Et là, un point important de la vente qui n'est pas là, c'est notre chien. Ouais. Francis n'est pas là. Regarde de l'autre côté. Moi, je vais prendre mon type préféré, là, Regarde de l'autre côté. J'ai perdu mon téléphone. Elle lance mon téléphone, mais d'autre part, elle lance tout de suite. Non. Just a moment, because I lost my telephone. Je pense que j'ai perdu mon téléphone. Non, ça veut dire qu'elle est à la maison. Ok. Ça va? On va monter maintenant. Bien, bien. Oui. Bravo. Please. Où est-ce que c'est? Tu peux nous dire où c'est, Robert? À quelle heure c'est la vente? 19h, je crois. 19h. Il n'y a personne dans la salle. C'est terrible. Regarde ça. J'espère qu'il n'y aura pas que ces 5 personnes. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Christie's and to this evening's sale of Beyond, selections from the collection of Pierre Hubert.
I have the usual announcements to read to you, plus a new one. And so, away we start. Lot 1, showing on the screen, far right, the Louise-Lauler there, lot 1. C'est qui? And $20,000 started. $20,000, $20,000, $20,000, $20,000, $1,300,000 on the telephone. 57? No. Against the room and selling that one event at $1,300,000. Oh, wow. Oh, wow. That's beautiful. $1,500,000. The ladies bid now at $1,500,000. $1,600,000. At $1,600,000. $160,000, thank you. At the back, $1,000,000. Ça, c'est pas bien vendu. Tu vois? Quand même des surprises, ça devait se vendre beaucoup mieux. Lot 25 is next. Transverse there, lot 25. Same corner. 70,000 against you, Andy. 75,000. Oh, good. Against you, sir, at $75,000. 80,000. Andy's bidder at 75,000 now. At $75,000 on this telephone. 75. 80. Andy's bidder at 75,000. 80. Against you, Alex, at 75,000. 80. Thank you, Amy. $75,000. $100,000. $95,000 in the room. $95,000 against the telephone. It's here at $95,000. Nope. Selling in the room, all done then. $195,000. $85,000 against you in the corner, sir. Against you here and selling. Fair warning. One more, sir. At $85,000. Thank you all very much. The result. $14,500. Eh ben, moi, je te dirais que la vente était exceptionnelle. C'est drôle. The press is waiting for you downstairs. The press can wait. Okay. Il faut d'abord que je sache que je vais leur dire. On va te laisser leur parler. Mais tu sais, moi, j'avais une garantie. Hein. Ce qu'ils n'ont pas vendu assez, il faut qu'ils vont me payer la différence. La garantie était plus élevée que le résultat de la vente. La garantie était plus élevée? Bah, oh. Pas beaucoup, pas beaucoup, mais il y a $800,000 de plus, c'est quand même pas mal. C'est clair, très content. Isabelle, on y va maintenant. Isabelle, ne m'en viens pas avec nous, non, parce qu'on peut pas faire attendre les gens dans la rue. Ou comment est-ce qu'on va prendre des taxis, Robert? Yeah. Où on prend un taxi? Robert, Robert, tout le taxi, comme toi, il prend comme ça. Mais alors, tu vois, tu prends ça, tu le mets dedans. Robert, tu te réveilles, on a un taxi là. Maintenant j'en ai marre. Porcelet, un petit porc. On sait que c'est l'enfance du lard, mais le père éternel de lard, ça serait-il pas le veau d'or? Striptease, vous déshabille.